gars, les filles, les petits. Alors, petit unboxing de la journée pour un nouveau projet parce que le Max et le Python vont partir de la maison et donc il fallait quelque chose pour mon fils. Et globalement, il adore les MT, ok. Le X-Max, je lui prêterai, mais ça c'est mon mien, moi, déjà. Et puis, après quand tu regardes, c'est vrai, en MT de belle taille, t'en as pas non plus 36 000. Hein. Tu as, dans les bons MT, hein, je te parle des vrais, des trucs qui sont sympathiques, t'as le Team Magic 6. Oui, éventuellement. Après, je suis pas très très fan du look, ça fait très très... ça fait un peu court, je trouve. Effectivement, c'est pas très très stable. Bon, voilà, j'étais pas, je suis pas, ouais, j'aime pas amoureux quoi. Tu as le Max, mais qui est un prix aussi très court qu'on a déjà quand même. Après, tu as Léo Bao Hyper MT Plus, mais lui qui est plus grand, pas fan de cet Anthrax là non plus. Esthétiquement, je trouve que c'est pas terrible avec cette carreau, c'est un peu bizarre. Voilà. Tu as ensuite le Zen Reaper, effectivement, mais qui mécaniquement m'intéresse pas. Voilà, clairement, c'est très long, c'est très grand, c'est un gros 1/8, un peu plus costaud, mais ça reste du gros 1/8 étendu, allongé. Donc, en fait, je dis bon, tant pis. Au revoir, merci, bonne vidéo, à la prochaine. Non, eh bien, écoutez, comme d'hab, j'ai dit, tu fais tout comme Mani. Ouais, enfin bon, en même temps, il y a quand même des plutôt bonnes idées, hein, quand même. Et donc, on va se faire un Obao Hyper MT 1,5+. Alors, le 1,5+, c'est tout simplement quoi? Donc, un roller, attends. Oh, un roller tout neuf en provenance. Oh, bordel. En provenance de cet EuroRC, on garde la facture au cas où on a des problèmes de plastoc, parce que apparemment, effectivement, bon bah tiens, ouais regarde, ils ont rendu que le couvercle, donc là la cool, la facture, des petits autocollants, on va les garder, bon c'est le roller, on va pas vous montrer tout ça, j'ai pas non plus attendre, voilà. Donc le roller vient avec les quatre jantes. Voilà. Des jolies jantes. Nous on va prendre des autres roues aussi. La jolie carrosse par contre qui est très très belle. Après il y en a 43 000 des unboxings de Hyper Enduro MT Plus 2. Je ne vais pas vous la faire non plus à la ronde. Il y a des pneus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Cette partie-là. Pareil, hein. On ne va pas non plus aller aussi dans le détail que soit chez Namani, il y a tout ce qu'il faut. Allez-y, il fait ça bien mieux que moi. Donc, je n'ai pas la prétention de faire le cuir, de faire autre chose. Il l'a éprouvé, il l'a fait. Donc voilà, là, c'est tout neuf. D'ailleurs, si quelqu'un du coup veut à un prix pas dégueulasse racheter un châssis tout neuf de Hyper MT2+ et de ses cardans, n'hésitez pas, surtout pas, je n'aurai pas forcément l'utilité. Donc BigCNT. Si tu as un Obao Hyper MT, si jamais tu as besoin de châssis, n'hésite pas. Alors, ces fameux triangles, la notice, la mousse pour les bêtes lipo, des clés, des... Qu'est-ce qu'on a? La poigne, des clés, des clips, des écrous de roue, la roulette de derrière, voilà. Et voilà, la bête. La bête, la bête. Donc, comme d'hab chez Obao, les diffs sont tous à remplir parce qu'effectivement là on est quand même très très light. Les plastiques sont brillants, donc on est sur les plastiques qui cassent. On va les mettre dans la flotte. Voilà.
Et on verra bien ce que ça dit. Je ne vais pas m'embêter à en casser un hein, pour vérifier que ça tient. Hein, voilà. On sait qu'il y a des petits soucis sur sur ça. Donc du coup, direct à la bouilloire. Hop. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement, on va prendre tout ça. Tout là. On va le mettre là-dedans. Voilà. Châssis. Hyper MT Sport Plus, tout simple, donc qui est le châssis à anthrax court. Donc si j'aligne les cellules, voilà, tu as à peu près 5 cm de moins. Tu as à peu près 5 cm de moins. Donc pour faire ça, tu me dis, bah oui, mais alors du coup, comment tu fais? Et bien en fait, tout simplement, je rachète l'option, comme dit Mani, OF0134-1 chez Obao. Des cardans courts, et puis on l'a équipé en roller. Donc maintenant, on va tout dépiauter, train avant, train arrière. On va faire les diffs, bien durcir tout ça. Et l'équipement que j'ai choisi, on va le mettre en vitesse parce qu'encore une fois, je vais tout essayer de tout ouais, de standardiser mes lipos. Il y aura juste des lipos 3S pour le granit du petit. L'éveil et le TOLS, ils vont partir aussi. Donc moi, il me restera deux batteries 3S pour le gros, pour le petit granit. Et le reste, ce sera plus que des 4S 5000 bashing. Donc lui, il sera en vitesse. Donc pour ce faire, VXL vitesse. Voilà, simple, net, efficace. Servo GX. HV, alors HV, voilà, 46 kilos, trentaine d'euros, AliExpress. Donc nous, on ne pourra pas le faire tourner à 7 volts 4, mais sous 6 volts que donne le VXL, c'est quand même 35,6 kilos, 0,14 secondes. Voilà, donc c'est quand même déjà du beau cerveau quand même, pour vraiment pas très très cher. Et après, on me dira, le moteur! Alors le moteur, c'est un... Un boat, oh, un moteur de bateau, putain, mais Nico, qu'est-ce que tu fais? Oui, ça repart de bateau. Parce que j'utilise depuis très très longtemps, on utilise très très longtemps les moteurs SSS. Moi, j'en ai eu plein dans toutes mes échelles, sur toute la piste. J'ai jamais eu un souci, il y a une ouverture derrière. Ça, par dépression, en fait, il n'y a rien qui rentre. Il y a de la petite poussière, mais après, c'est vraiment pas problème, plus problématique que ça, honnêtement. Donc c'est un 4092 1520 kV. Oui, parce que chez Mani, il y a le 1400 et le 1600. J'ai pas réussi à me décider. Alors j'ai pris le mieux. Voilà. Et surtout, l'avantage de celui-ci, par rapport au SSS qui était pris par Mani, c'est que le SSS pouvait aller que jusqu'à 30... T1 ou 32 volts, donc limite vitesse. Là, il va jusqu'à 37 volts, donc normalement, une vitesse tranquille. Donc, ça, c'est bien. Pas besoin de brider la puissance. Ça vient, le petit cerveau vient avec sa petite corne bleue. Voilà. Bon, il n'y aura plus grand chose de bleu à part les tourelles. Et puis maintenant, voilà, le but du jeu, éventuellement, là, je vais commencer à m'amuser à tout démonter. Et peut-être qu'on ira chez Mani pour assembler et faire les petits trous. Voilà. Je me suis dit, maintenant le confinement arrive à sa fin. Enfin, j'espère que là, on commence à en avoir. Et puis ouais, ça pourrait être sympa de monter ça ensemble. Tranquillou, en ayant bien tout préparé. Il n'y aura plus qu'à faire 2-3 trous. Et puis à monter tout ça. Et puis, voilà, regarde. Hop là. Tac. Tac, la bague de 40, je crois que c'est déjà une bague de 40. Il est où, pipi? Il est où là? Il est où le bébé? Voilà, il est là. Donc, pile poil, regarde ça. Donc, tac, tac, ça va rentrer. Bah, tu vois pas, moi je vois. Donc, je vais pas non plus, encore une fois, m'étaler. Il y a 3 ou 4 vidéos sur le MT Sport 1,5. Donc, en partant d'un Sport plus 2, en achetant un châssis, 50 euros, je crois. Je sais même plus, oh, chef. Ouais, dans les. Voilà. Donc, ces eaux-là, ça, une dizaine d'euros dans Obao Racing. J'ai reçu ça par FedEx. Pour l'instant, j'ai pas reçu de facture. Donc, j'espère croiser les doigts. Il n'y aura pas de facture. Et puis après, moi, j'avais déjà tout le matos. Ça c'est un petit VXL récupéré. On va lui faire un joli petit prolongement de rallonge pour aller dans la boîte.
un peu imposante, voilà. Et puis rouler jeunesse, que voulez-vous? Voilà. Donc peut-être Timelize pour le démontage de tout ça. Et puis peut-être qu'on se retrouve. Peut-être, j'ai dit, hein, vous énervez pas. Chez Mani pour l'assemblage ou après quand j'ai fini d'assembler chez Mani. Oh, enfin bref, on verra bien, c'est la surprise. Pour l'instant, je ne sais pas. Et on verra. Allez, à...